On cherche actuellement le TV Man Mecha Boss V2 ainsi que Skim des Toilettes So qui sont apparemment en train de se battre dans cette zone. Je suis actuellement équipé de mon drone. Ici on a une énorme plaine. Oh, ok, à tout moment ils sont à l'intérieur. Quoique là je vois absolument rien. Écoutez, on va aller checker. Je pilote ce drone actuellement d'une maison. Comme ça nous sommes à l'abri, puisque le TV Man Mecha Boss V2 et le Skim des Toilettes So, quand ils vont se battre, à mon avis ça va être extrêmement vénère. Donc voilà, ici on a plusieurs plaines. Là-bas, regardez au fond, je vais zoomer, on a simplement un lac. Un lac dans lequel ils peuvent se cacher. Notamment le Skim des Toilettes saut. Enfin, je sais pas vraiment s'il peut se cacher à l'intérieur, puisqu'il est quand même équipé de pas mal de mécaniques. Tiens, on va descendre à l'intérieur de cette plaine. On va voir s'il se passe des choses à l'intérieur de cette plaine. Il faut que je fasse attention aux arbres. Ok, on est à l'intérieur de la plaine. Regardez, hop, on a un petit chemin. Oh, j'ai perdu le signal de transmission avec le drone. Ok, on va faire demi-tour. Ok, j'ai fait demi-tour les abonnés, j'ai récupéré le signal de mon drone. Je pense pas que ce soit dû au fait que je sois trop loin. C'est plutôt dû au fait qu'il y a des interférences. Alors est-ce que ce serait dû au TV Man Mecha Boss V2? Puisque vous savez, lorsqu'il fait son attaque, il envoie des grosses ondes avec une grosse lumière rouge. Un petit exemple maintenant. Voilà, vous avez vu l'exemple, il envoie des énormes attaques comme ça. Et je pense que ça crée plein d'interférences. Et que du coup ma transmission elle faisait que de se couper. Donc à mon avis je me rapprochais de l'objectif. Je me rapprochais du TV Man Mecha Boss V2 et de Skim des Toilettes So. Il faut absolument qu'on les trouve. Alors comment on sait qu'ils sont pas loin dans cette zone? Il y a tout simplement un membre du Discord des chasseurs de monstres que vous pouvez rejoindre en description, qui nous a signalé ce matin qu'il avait vu Skim des Toilettes So ainsi que le TV Man Mecha Boss V2. Et là du coup j'observe. Alors ça fait plusieurs heures, mais je pense qu'ils sont restés dans la zone. Et puis là ce bug de transmission, ça me confirme le fait que je pense que TV Man Mecha Boss V2 est vraiment pas loin. Du coup voilà, on observe avec le drone. Mais c'est vrai que pour l'instant on voit pas grand chose. J'ai très peur des paires de transmission. On va se rapprocher et je pense, regardez, en se rapprochant là-bas, si on a une paire de transmission, c'est qu'à mon avis ils sont juste là. Regardez, on s'approche, on s'approche. Je vais monter un petit peu. Voilà, la connexion elle commence à être un petit peu moins bonne. Voilà, regardez, ça commence à bugger. Ok, à mon avis ils sont par là. Regardez, je filme. On a la route à droite, c'est très stylé. Là est-ce que vous les voyez? À mon avis ils sont peut-être en train de se battre dans la forêt. Oh, les abonnés ça va être exceptionnel hein. De toute façon si je vous ai posté cette vidéo, c'est que évidemment je les ai trouvés à l'aide de mon drone. Mais c'est vrai que là on les voit pas. Est-ce que vous voyez quelque chose? Là-bas il y a le lac, regardez. On voit le lac, il est juste ici. Là on a la forêt, oh, bug de transmission. Ok, ça va. Alors vous les voyez pas les bugs de transmission à l'image. Moi je les vois sur la télécommande, mais le drone continue de filmer. Du coup pour vous ça change rien du tout. C'est juste que moi je vois, regardez, en gros juste là en haut à gauche. Bon là c'est passé en blanc, mais quand c'est orange ça veut dire que j'ai des transmissions qui sont un peu buggées. Voilà, là on s'avance, on a du coup, regardez ce chemin. Ok, alors il faut savoir que les arbres ils sont extrêmement grands hein. Voilà, on a une voiture qui passe à droite. Donc ça veut dire qu'ils sont pas en train de se battre sur la route. Ok, regardez, la route elle est plutôt très grande. Là on observe, oh, bug de transmission, regardez, ça passe dans les oranges. Ok, on n'a pas le temps de voir à chaque fois la caméra, mais vraiment je vous assure, potentiellement ils sont peut-être en train de se battre dans cette forêt. Regardez, oh, wesh, la dinguerie, vous avez vu comment les arbres ils bougent? Oh là 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 là, vous avez vu comment les arbres ils bougent? À mon avis ils sont en train de se battre à l'intérieur. Oh, ok, waouh, la dinguerie. On va peut-être aller allumer le drone là-bas. Ok, on va peut-être aller allumer le drone là-bas. Ok, bon, les abonnés, on va sans doute aller allumer le drone plus proche là-bas. Comme ça, j'aurai pas de bug de transmission, parce que je serai vraiment proche. Mais je pense vraiment qu'ils sont en train de se battre dans la zone que vous avez vue, avec tous les arbres qui bougeaient dans tous les sens. Oh, vous avez vu la dinguerie que c'était? Ok, on va rentrer. Alors, j'observe vite fait comme ça. On va faire un petit demi-tour, on va observer vite fait ce qui est en train de se passer. C'est sans doute là-bas, hein. C'est sans doute là-bas que ça se passe. Bref, je ramène le drone ici et on va se rapprocher de la zone en question. J'étais prêt à partir, mais il vient de se passer quelque chose de super bizarre. Normalement, à l'intérieur de ce carton, j'ai 6 caméras de surveillance. Et là, regardez, il n'y en a plus aucune. C'est sûr que c'est lié à ce combat entre TV Man Mecha Boss V2 et Skim des Toilettes So. A mon avis, il y a des caméramans qui sont rentrés chez moi et qui ont pris mes caméras pour s'en servir, je sais pas, comme arme, pour s'en équiper comme une sorte de fusil. C'est super bizarre. En tout cas, on va essayer d'en chercher dans ma maison pour voir s'il y en a quelques-unes. On va aller dans ma chambre, let's go. Est-ce que vous observez quelque chose dans ma chambre? J'ai pas l'impression qu'il y a quoi que ce soit. Non, il y a rien du tout. Dans ma salle de bain, on va checker vite fait. Pas de caméra non plus dans la salle de bain. C'est très très étrange. On va continuer par là. Peut-être ici dans la buanderie. Est-ce que vous voyez quelque chose? Moi, je ne vois rien du tout. Si vous avez vu quelque chose, vous avez le droit de mettre un pouce bleu sur cette vidéo, mais uniquement si vous avez vu quelque chose. Moi, personnellement, je n'ai rien vu, donc pour l'instant, pas le droit de mettre un pouce bleu. Vous pouvez aussi m'écrire un commentaire avec le timecode correspondant. Comme ça, tous ceux qui ont trouvé quelque chose que je n'ai pas vu, et eh bien je mettrai un gros cœur à votre commentaire. Bon allez, on cherche encore un petit peu. Là j'ai mes armes qui sont... Oh oui,
fiche. What? Une caméra de surveillance, on voit la une, regardez comment ça s'accroche, voilà. C'est très bizarre. Bon bah écoutez, en voilà déjà une. Il en manque plus que 5. C'est très étrange cette histoire. C'est lié au Skibidi Toilette. Skibidi Toilette, j'en avais un dans mes toilettes la dernière fois. Donc on va aller voir. Ok, non, j'ai rien du tout ici. Ouais. Bon, là c'est juste des toilettes, hein. Oh, regardez juste là. Une caméra. Si une caméra est dans les toilettes, ce n'est clairement pas pour rien. C'est vraiment, c'est lié à cette bataille entre TV Man, Mechaboss V2 et le Skibidi Toilette Show. Bon, est-ce que vous en voyez dans le salon des caméras? Moi, je vois rien du tout. Je vois juste un peu de bazar, mais à part ça, ça va. Non, il n'y a pas de, caméra dans le salon, j'ai pas l'impression. On va monter vite fait à l'étage pour voir. Allez, let's go, on monte. Qu'est-ce que nous avons là? Pas grand-chose, hein. Je sais pas. Je cherche. Peut-être ici. Est-ce que vous voyez quelque chose ici? Moi, je vois des haltères. Mais je vois pas d'autres... Mais je vois pas grand-chose sinon... Peut-être dans les doudous, est-ce que vous voyez quelque chose dans les doudous? Oh! Let's go! Bingo! Ok! Une troisième caméra! Bon, ça se trouve, du coup, les caméramans sont pas venus chez moi, mais elles ont clairement été déplacées. Et ça, c'est étrange. Bon, allez, on continue. Parce que... Oh! Regardez! Il y en a une juste là qui est en train d'actuellement nous filmer. Je vais l'enlever et je vais la mettre aussi dans ce bac. Les abonnés, on se retrouve 20 minutes plus tard. Et j'ai malheureusement pas retrouvé mes deux autres caméras. Elles ont sûrement été volées par des caméramans qui sont actuellement en train d'aider le TV Man Mechaboss V2 contre le Skibidi Toilette Show. Normalement, le TV Man Mechaboss V2, il explose le Skibidi Toilette Show. Mais là, on est dans la vraie vie, du coup, peut-être que c'est différent. Bref, on se retrouve vraiment avec le drone là-bas. Juste derrière nous, c'est la forêt où on a vu tous les arbres bouger. Notre drone est juste au-dessus. Bah voilà, regardez la vision du drone. Alors, les arbres bougent beaucoup moins. Peut-être que le combat entre TV Man Mechaboss V2 et Skibidi Toilette Show s'est déplacé. Puisque regardez, là on voit pas vraiment que ça bouge. Hein. Là, les arbres ça bouge beaucoup moins que tout à l'heure. Vraiment, tout à l'heure vous avez vu, hein, tous les arbres ils bougeaient dans tous les sens. C'était impressionnant. Bon, on va quand même survoler la forêt. Là, ça bouge. On va peut-être faire des petits zooms. Genre, oh, regardez, là il y a un petit espace. Regardez là le petit espace juste ici. On va zoomer à l'intérieur. Le problème c'est que c'est compliqué de voir des choses à l'intérieur de la forêt. Hein. Vraiment, c'est un petit peu dur. On survole cette forêt. On est actuellement à 60 mètres de haut. Voilà, 60 mètres de haut au-dessus de la forêt. Les arbres ils font bien 10 à 12 mètres, voire 15 mètres. Même peut-être même plus encore. Du coup, ils ont largement de quoi abriter le TV Man Mechaboss V2 ainsi que le Skibidi Toilette Show. Oh, regardez. Ici, il y a des gros arbres qui sont en train de bouger pas mal. Ça bouge pas mal, hein. Oh, ça bouge pas mal. On va zoomer à l'intérieur. Est-ce que vous voyez quelque chose, les abonnés? Moi, personnellement, je ne vois rien du tout. On entend le drone, hein. Il est pas loin d'ici. On l'entend encore dans nos oreilles. Vous l'entendez sans doute pas à la caméra. Mais du coup, voilà. Je vais relever la caméra. On va voir un petit peu ce qu'il y a aux alentours. Ok. Waouh. Ah oui, d'accord. Il y a une giga forêt. Oh, ah oui, d'accord. Oh là là, attendez, ça bouge. Ça bouge pas mal. Ça... Wesh. Regardez juste là. Oh, attendez, je vais déplacer le drone. On va faire un petit demi-tour comme ça. Petit demi-tour slide. Hop, voilà. Oh, voilà, c'est exactement là où je voulais aller. On va reculer un peu, légèrement. Hop, et ici. Non, on voit rien. Wesh. Ils sont pas là, j'ai pas l'impression qu'ils soient là. Je vais zoomer à l'intérieur quand même. À tout moment, ça se trouve, moi je les vois pas. Vous les voyez? J'aurais un peu le seum. On va relever la caméra, on va voir un petit peu où est-ce qu'on est. Ok, donc juste ici, il y a la petite plaine dans laquelle on se trouve. Oui, regardez, ce sont les arbres qui sont juste là, regarde. Voilà, ils sont juste là. Du coup, on est bel et bien dans cette petite plaine. Et là, on a la forêt juste ici où ils sont potentiellement à l'intérieur. Donc regardez, c'est cette forêt qui est juste là. Voilà. Ok. Est-ce qu'on s'aventurait pas un petit peu à l'intérieur? On va checker, vas-y bien. On est à l'intérieur de la forêt. Et donc là, à tout moment, il faut se fier au bruit. Est-ce qu'on entend des bruits? On va reprendre l'image du drone. Alors là, du coup, on est au-dessus de la forêt. Voilà, on va regarder vite fait. Qu'est-ce qu'on a en dessous? On a des arbres qui bougent. Mais potentiellement, c'est aussi le vent. Mais pourtant, il n'y a pas beaucoup de vent en vrai. Hein. Ça va là, hein. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de vent. Ok, bon, déjà, on arrive ici, ça devient compliqué de pouvoir passer. Ouais, je sais pas trop comment est-ce qu'on va faire. Bon, en tout cas, on est toujours là. On a toujours le drone qui est juste ici. On va observer, mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça bouge beaucoup moins que tout à l'heure dans la forêt. Voilà, regardez la grande forêt. On va avancer un petit peu, on va voir un petit peu ce qui se passe dans cette forêt. Oh là-bas, regardez, il y a une petite plaine. Il y a une petite plaine où potentiellement ils peuvent se battre à l'intérieur. Ok, j'ai une petite perte de signal. Peut-être qu'ils sont pas loin. Oh, wesh, c'est quoi ce gros flanc de... Ah ok, c'est de l'autre côté de la route. Et ils pourraient se battre là-bas en vrai, hein. Regardez. Ici, là où il y a de la pierre. Je sais pas. Si vous voyez cette vidéo, c'est que forcément je les ai filmés. Mais du coup là pour l'instant on n'a pas grand chose. On a juste cette petite plaine. Et on a cette grande plaine là derrière. Je sais pas où est-ce qu'ils peuvent se battre. Là on a les arbres, regardez ça bouge pas mal. Là-bas on a le lac, on va aller voir le lac. Regardez, ah c'est ici tout à l'heure. Mais non c'est bon, j'ai retrouvé les arbres où ça bougeait énormément tout à l'heure. Oh, ils sont juste là. Oh regardez, c'est les profondeurs obscures à l'intérieur. Oh là là, on va aller juste au-dessus. Wesh, oh ça fait flipper de fou. Oh, ça fait giga flipper. C'est tellement sombre à l'intérieur. Ouah, c'est quoi cet arbre? Il est super bizarre. C'est un arbre mort en plein milieu de la forêt. What? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouah, ça fait flipper les abonnés, vous avez vu ça? Il y a des arbres morts un petit peu partout au milieu de la forêt. Attends, je vais monter en hauteur.
C'est cette zone là. C'est cette zone là qui est très étrange. Les arbres ils sont bizarres à cet endroit là. Waouh, regardez cette grosse zone noire là où on peut. Mais vraiment on a l'impression que c'est la forêt des ténèbres quoi. Regardez à gauche ça va hein. Si on relève un peu la caméra, regardez ces arbres là ça va. Mais ceux là, genre vraiment ils font super flipper. Genre regardez, attendez, je vais descendre. On va voir. Oh c'est les ténèbres hein. C'est les ténèbres, on descend à l'intérieur des ténèbres, c'est effrayant. Wesh. Oh, ça fait tellement flipper, c'est dingue. Ah, tout le monde se cache à l'intérieur, vraiment. Mais avec le skip des toilettes saut, je viens de penser à quelque chose les abonnés. Peut-être que depuis le départ, je cherche pas du tout au bon endroit. Et vous savez pourquoi? Parce que le skip des toilettes saut, il crache du feu. En fait, dans une forêt, ce serait un petit peu débile puisqu'il mettrait feu à toute la forêt. Les abonnés, là vraiment, je me dis qu'on s'est peut-être trompé d'endroit. Il est peut-être pas du tout dans la forêt. Même largement trompé, si le skip des toilettes saut était dans une forêt, on verrait des énormes flammes. Sans doute la forêt qui prend feu. Alors là c'est pas le cas, mais potentiellement ils sont à côté d'une plaine, à côté d'un point d'eau pour pas que ça prenne feu. Donc une plaine à côté d'un lac. Oh, les abonnés, il y a fort à parier qu'ils doivent être juste ici. Mais où est-ce qu'ils sont? Je les vois pas. C'est une dinguerie. À mon avis, ils sont peut-être de l'autre côté. Quand je vais tourner le drone, on va peut-être les voir. Les abonnés, la dinguerie. Ils sont en train de se battre juste là. Wesh. Alors c'est un petit peu loin de là où on est, du coup ça va, on est à l'abri. Oh la dinguerie. Oh les images de fou que je suis en train de vous prendre les abonnés. Oh, c'est exclusif ça. Attendez, on va prendre un nouveau point de vue pour voir ce combat juste majestueux. Ce combat aussi qui fait très flipper hein. Ça fait extrêmement flipper. Oh regardez-les en train de se battre. C'est si violent. Et regardez, il y a le petit caméraman. Mais oui. Oh, il y en a deux. Comme les deux caméras qui me manquent. Voilà dinguerie. Oh mais à mon avis c'est ça. Par contre le combat il est super violent. Ils vont pas tarder peut-être à venir par là. Mais en plus il est clairement sur le chemin pour revenir chez moi. Oh. Les abonnés, je crois qu'on va faire un grand tour. On va peut-être couper la caméra et se retrouver chez moi. Si jamais je vous reprends pas, c'est que potentiellement il s'est passé quelque chose. Donc abonnez-vous, activez la cloche pour être au courant de tout ce qui se passe. Il y a deux vidéos qui s'affichent. Choisis celle que tu préfères.